on avait 2 victoires, là on a 3 victoires consécutives à la maison, donc ça c'est hyper positif. Point positif, c'est qu'on est en dessous des 23 buts encaissés. C'était notre ligne de flottaison pour gagner des matchs, donc on est en dessous, ça fonctionne. Et dernier point positif, c'est Sarah qui est bien rentrée dans le match, qui est bien rentrée dans le club, dans le fonctionnement d'équipe. Alors je dirais pas grâce à moi, parce que vraiment ça part aussi de la défense, je vais pas mentir, elles m'ont vraiment aidée de A à Z. Que ce soit par rapport à mon arrivée, elles m'ont vraiment mis en confiance. Et ce soir, en fait, c'est l'aboutissement d'un mois de gros travail, une grosse prépa. Et je suis vraiment fière de nous, fière de ce score, fière de ce match. Je pense beaucoup de stress au départ. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en championnat, presque 2 mois. La coupure est longue, donc il faut savoir la gérer. Et des fois, les retours à compétition sont un peu compliqués. Chaque match ne se ressemble pas. Donc on va essayer d'être le plus humble possible et d'arriver là-bas avec beaucoup d'envie, mais c'est quand même une équipe qui est individuellement qui est assez costaud. Et en plus on va jouer à la clameur, donc ça aura certainement beaucoup d'ambiance, beaucoup de bruit, presque 3000 personnes qui va être là-bas. Donc on va voir comment on se comporte. Le plus important c'était gagner ce soir, on va profiter un peu et puis on va se retrouver après pour essayer de préparer celle de la meilleure des façons.